Et une femme qui tenait un bébé sur son sein dit, parle-nous des enfants. Et il dit, vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont fils et filles du désir de vie en lui-même. Ils viennent par vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ce n'est pas à vous qu'ils appartiennent. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez loger leur corps, mais non leur âme, car leur âme habite la demeure de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer de leur ressembler, mais n'essayez pas qu'ils vous ressemblent, car la vie ne retourne pas en arrière, ni ne s'attarde ailleurs. Vous êtes les arcs qui projettent vos enfants tels des flèches vivantes. L'archer voit la cible sur le chemin de l'infini, et il vous courbe avec toute sa force pour que ses flèches aillent vite et loin. Hein, archer, avec majuscule tout ça. De cette courbure, dans les mains de l'archer, tendent à la joie. Car comme il aime la flèche qui vole, il aime aussi l'arc qui est stable. Alors, Nazar, dis-nous deux mots. Nazar. Oui. Moi, je trouve que c'est vraiment vrai, c'est vraiment. C'est bon, on ne voyait jamais comme ça. Bon, ça ouvre notre perspective de comment voir des choses. Et voilà. Dans la marque du tout.